Et salut à toutes et à tous, ici c'est Floffy, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 27 de ce Let's Play sur le jeu Pokémon Rouge Feu en Nuzlocke Random Challenge. On va se diriger vers Parmani aujourd'hui, donc je reprends les commandes. Voilà, Houston on a un problème. Oh là, voilà, ce serait mieux. Donc on va se diriger vers Parmani par la route en bas, et juste avant j'avais une petite info. C'est que, dont je ne suis pas sûr, c'est à propos de Lingal. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand il évolue en Ninjask, il peut évoluer aussi en Munja. Voilà, alors on va essayer ça tout de suite, je vais essayer de vous montrer comment on fait. Je ne sais pas si ça marche dans Rouge Feu, je ne suis pas sûr. Pour ça, il nous faut... un truc dans le nez... déposer un Pokémon au PC. Alors on va déposer, je sais pas, on va déposer, voilà, ça fait du bien. Et maintenant, il faut faire monter Ningal de niveau. Et normalement, ça devrait nous donner deux Pokémon, si je dis pas de conneries. Je peux tout à fait me tromper, mais je suis pas sûr parce que j'ai pas une grande expérience au niveau des Ningal. Voilà, c'est pas mon dada. Hein. Excusez-moi pour ça, mais voilà. Donc, hop. C'est bon. Donc il faudrait qu'on l'XP quelque part. Tac, juste vite fait un niveau. Parce que je crois qu'il évolue au niveau 20 ou 25. 20 hein, 25, je sais plus. Bref, on s'en fout. Donc, faut qu'il gagne un niveau. Niveau 15, waouh. C'est avec ça qu'on va gagner. Allez, façade. Et normalement, on devrait en tirer deux Pokémon. Oh là là, ça va être long, ça va être long. On va faire quelque chose. Tac, on va faire ça. Tac. Utiliser. Ok. Toi, l'école c'est lui, bon, t'en fous. Goupix. Vendetta. Feu follet, dangereux, attention. Coup critique. Doux baiser. Oh, chut. Ça, c'est pas bon du tout. Et voilà. Ça fait mal. Il va nous tuer. Ok, on est brûlé. Allez, Vendetta, réussis, s'il te plaît. Yes, merci. Pardon? Ah, c'était un sacré coup critique, alors. Normalement, affût. Ok, on est déjà confus, on va perdre un peu de... Ok, je suis plus confus. On le bute. Voilà. Waouh, tout ça pour ça. Je peux pas me permettre de lui... J'ai pas un anti-brûle? Non, j'en ai pas, je crois. T'as pas le soin ici, non, je l'ai pas. Y'en a pas. Hop. Je veux pas une petite potion aussi. Juste une potion normale. Non, bon, bah, j'en ai pas, va te faire foutre. Miaou, ces persians sont si mignons. Miaou. C'était pas juste Miaou au début. Ok. Papinox. Niveau 24. Non, en fait, ça va pas changer. Sable volant. Bomberk. Ah, il fait mal quand même. Allez. Putain. Oh, ça va être trop long. Je crois qu'on va même pas faire ça en fait. Je crois que je vais pas le faire maintenant. Ouais. C'est pas ouf.
C'est un peu embêtant tout ça, super. Je vais juste finir ce combat et après on dégage parce que ça va être beaucoup trop long, clairement. Putain, allez hop, on accélère, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Balle météo? Oh, j'aime ça. Ça, j'aime beaucoup. Octillerie, on reste. Et hop, allez. M'en fiche de la tempête. Même feuille. J'accélère un petit peu parce que voilà, c'est pas ça que je voulais vous montrer moi là-bas. On les a déjà fait ces combats. Donc je me permets d'accélérer. Et hop, allez, dépêche-toi. Alors, on va gagner du temps. Oh, même pas! Tu me déçois. Je suis très déçu. C'est bon, la tempête de sable, on la connaît. Hein. Et pourquoi ça a pas fait le... Bizarre. Oh, Bali! Crachin, parfait. Entre le clashin, la tempête de sable. Il manquerait plus que Papinox avait Zénith et c'était bon. Voilà. Bon, on va laisser tomber le dernier dresseur. Voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. Clairement, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est faire la route. On va progresser, en fait. Au final, je fais un peu une connerie parce que ce sera Ningal qui sera en premier. C'est juste qu'en fait que j'ai mis un Pokémon au PC, je me dis ça va m'handicaper, mais le temps que Ningal rattrape le retard, ce sera pas mal. On va essayer de faire XP en même temps Spectre. Comme ça, tout est bénef. Voilà. Bon. Allez, on repart dans la joie et la bonne humeur. Pchit, la bicyclette, s'il te plaît. Merci. Ouh. Bon. Qui est-ce que j'ai en premier? Non, je m'en fiche de ça, merci. Alors. Ok. Donc. Merci de ne pas quitter la prochaine fois, ce serait gentil. On va mettre Spectre devant. S'il gère, on le laisse. S'il gère pas, on le remplace. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Toi, on t'a déjà fait parce que tu nous avais piégés. Toi, tu nous as déjà fait aussi, mais putain. Hop. Et vous deux, on vous a pas fait, c'est sûr. On a les deux premiers. Allez, c'est très bien. Jess, si on gagne, je t'épouse. Oh, c'est violent quand même. Si tu perds, je vais briser un mariage. Voilà. Ils sont pas un peu jeunes pour se marier? Non? Alors, Roucoule et Alligator. Alors, Vanglace, ça pourrait être pas mal. Et une petite sur lui. Grincement. Dangereux, ça, c'est très dangereux. Wow. Vanglace. Elle fait très mal à Roucoule, surtout. Critique. Bon. Hyper en vitesse. Hyper en vitesse aussi. Donc c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on va attaquer en premier. Et coq. Oh non! Foiré. Oh l'enfoiré. Bon, on recommence un vent glace, c'est pas gênant. Et on tente une vendetta sur lui. Genre, c'est une blague. C'est pas toi que je vise en fait, c'est l'autre. C'est trop cool que je visais, moi. Non, parce que Ligature, je m'en tape, moi. Bon, tu repères en vitesse, c'est pas mal. Ouais, bon, ça, c'était déjà programmé. Donc, t'as Grincement, Doux Parfum, l'autre, il a Écoque. On perd en esquive, c'est dommage. Bah, par contre, il va m'emmerder, le Roucoule. Il va clairement me faire chier. Ça va, il peut pas soigner à Ligature, je crois pas. Moi. Allez, on essaye. Qu'est-ce qu'on fait? Ténacité, bon bah je le tuerai pas en un coup, de toute façon je le tuerai pas. Si je pouvais en geler un des deux, ce serait pratique. Allez, hop. Bon, c'est pas mal. Tu perds encore en vitesse, ça c'est bien.
Maintenant, c'est vraiment nous qui allons dominer sur la vitesse. Et cruel. Il fait très très mal. Il fait très très mal. Est-ce que je tenterai pas un méga corne sur lui? Et toi, je fais ça. Ténacité, tu peux pas. Ah, c'est déjà mieux. Grincement. Oh punaise. Alors fais pas de conneries, Roukoul. T'as déjà attaqué, c'est vrai. Toc. Et toi. Tu serais gentil de pas me les tuer. De pas me tuer Ronflex. Enfin, voilà, Ningal, vous avez compris. Ok, on avait eu Roukoul. C'est un beau travail ce qu'on fait là. Ouais, coup critique, waouh. Je suis pas fait grincement, fais autre chose, fais une connerie, mais fais pas cruel. Je t'en supplie. Ok, parfait. On s'en tire bien. On s'en tire vraiment bien. Vent, glace. Et façade, ça devrait le faire. Oh la vache. C'était chaud. Il a plus de vitesse de toute façon. Là, il rampe, là, tu vois. Là. Ok, on a réussi. 540, c'est bien, ça. Niveau 23 pour Spectre. Et toi, tu augmentes aussi. Oh, mais pourquoi? Jess, t'as fait exprès de perdre. Oh, chia, pardonne-moi. D'accord, t'as fait exprès de perdre, carrément. Genre, ouais, t'es qu'un con, toi. Toi, t'es un ornithologue. Bon, bah, yep. Bonjour. L'électricité. Ah non, t'es pas un ornithologue, pas du tout. T'es un scribe. Ouais. Quillfish. Niveau 29, mortel. Non, je peux pas. Je tente pas, je vais faire une grosse connerie sinon. Du coup, c'est Céleste qui passe. Sachant que Quillfish est de type eau, insecte, si je dis vraiment pas de conneries, et je crois que j'en dis une. Non, je crois bien qu'il est eau, insecte. C'est pour ça que j'ai pas tenté une méga corne. Tu aurais pu faire un peu mal, mais. Niveau 29, tu vois, c'est pas testable. Bon, du coup, on divise l'XP en 3, c'est pas grave. 207, bon, c'est bien. Un Scarino. Je pourrais peut-être tenter le vent glace. Scarino, il avait quoi comme attaque? Non, niveau 29, je peux pas. Non, je peux pas. Trop de danger. Et j'ai remis... Oh non. On est mort. Ouf, ça dégage. Sors de là, sors, t'as la clé. Oh les boules. Ok, il met son attaque au max. Lumi-éclat, je m'en fiche. Oh les boules. J'ai flippé, mais violent. Ah ouais, crève. 414. Bon, c'est bien. Courju. Ça se dit, courju? Il n'est pas plutôt court-circuit ou coup de jus? Je sais pas. Hop, on va aller au centre Pokémon à Carmin-sur-Mer, c'est pas grave. Ah ouais, niveau 29, ils rigolent plus les gars, en fait. Je crois que j'ai sauté une étape à un moment. J'ai dû sauter une étape quelque part. Bah non, puisque la piste cyclable, les niveaux sont similaires, donc... Je ne sais pas. En tout cas, on continue. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Voulez-vous que je m'occupe de vos Pokémon? Ok, je prends vos Pokémon un instant. Tchoukou. Vos Pokémon sont super formes. À bientôt. Ok. Donc, toi, tu en es où? Bientôt, 1000. 1000. 1000 et 1 XP. C'est tout ce qu'il te manque. C'est un peu beaucoup quand même, mais on va y arriver.
Là, si je pouvais avoir deux Pokémon pour le prix d'un, moi je dis c'est rentable. Hein. Et c'est pas contre les règles, hein. C'est. Voilà, c'est ninjasque quoi, hein. C'est pas dit dans les règles. Un Pokémon qui produit deux Pokémon en évoluant ne devra en compter que pour un. Quoi? Non. Moi je dis je prends les deux, basta. Hein, fais deux Pokémon niveau 30. Ouh! Y'a quoi là-dedans? Coucou. As-tu trouvé une pierre lune? Oui. Et là, tu sais, c'est juste une pierre lune devant lui. Deux Pokémon, Aquapac. Provoque, je suis obligé d'attaquer, très bien. Qu'est-ce que je pourrais te faire? Une Vendetta? Waouh. Ça va pas me faire trop mal, ça, de toute façon. C'est à toi que ça ferait mal, par contre. Ah non, ça fait pas mal. Bon, laisse tomber. On va remettre Céleste. Bon, ça sert à rien. Il va me battre à l'usure. Par ici. Provoque et par ici. Le gars, il veut vraiment qu'on lui défonce sa gueule, tu sais. Oh, même pas KO. Bon, bah, coupe. Hein. Voilà. Ouais, parce que par ici, c'est une attaque de priorité. 360, c'est pas mal. Malos. On va juste mettre Ronflex. J'ai vraiment envie qu'il évolue vite fait, comme ça, après, on est tranquille, quoi. Je préfère pas tenter. Allez, n'empêche, on se fait un peu rattraper au terme des niveaux, là. Par contre, il faudra peut-être un peu se bouger. Comment on évite un prélèvement du dessin? Comment on l'évite? Faut changer de Pokémon, non? Ils paraissent. Ouais, d'accord, ça c'est moche. Qu'est-ce que je peux te faire? Balayage. Pokémon Ténèbres, donc c'est bon. On est tranquille. C'est moche. Voilà. J'espère que c'est. Non, Céleste n'est pas mis KO de toute façon. Et là, tu le vois, KO. Je fais. Pardon? Aïe. C'est le cas de le dire. Alors, c'est quoi? Du fer. Ouais, on va l'éminer. On va faire une pioche en fer. Donc il te moque combien toi? 400? 400. Ouais. 400 pour à limite faire des Pokémon sauvages. Je crois que je vais même faire ça, donc je vais le garder pour après. Maintenant ça va juste Spectre qui va y passer. Et voilà. Bonjour! On ne sait jamais ce que l'on peut attraper. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui monsieur. Un combat, oui. Avale tout. Avale tout. 24? Y'a pas un problème dans les niveaux là? Pourquoi il est niveau 24? Pas normal ça. Quand même! C'est l'attaque de Ho-Ho ça. Et Mitra Point, d'accord. Le gars il a vraiment envie de nous bousiller la gueule. Mais t'inquiète pas, tu crèves avant. Voilà, s'il résiste à l'humidité là, au bout d'un moment, je laisse tomber quoi. 432, c'est bien. Et les kids. Et les kids. Ah là, il va passer niveau 24 aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait tenter? Tente un Megacorn, un Uppercut. C'est bien, on l'a mis confus, c'est très bien. Allez, tombe dans la folie. Mimique. Donc il apprend, il percute. Ah non, on est un Pokémon Roche, oui, je suis bête. Je crois que c'était une attaque combat, au bout d'un moment, je fais, oh non. Mégacorne. On est comme ça. Allez, la folie. Oh putain.
et il a statique. Donc on est plus rapide. Oh là là. Quel dilemme. Je tente quoi? Uppercut. Non! Mimique. Ok. Coup critique, t'es sérieux? Oh, j'ai cru qu'il allait rater, j'ai eu tellement peur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. La trouille, quoi. Niveau 24. C'est bien, on se rapproche. Perdu. Ouais, t'inquiète pas que moi je change. Alors, super potion sur toi. T'es même pas full vie. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop gênant. Alors là, on a une zone avec des Pokémon, mais je me demande si ça marche que sur... Là, on est à la route 13, là, on est à la route 12. Ah ah! Non, bah non, on l'a déjà fait, ça. On a déjà fait la route 12. Attends, attends, est-ce qu'on a fait la route 12? La route 12, c'est quoi? C'est tout ça? Ou ça change quand on passe ici? Non, on l'a déjà fait, alors. Dommage. On a déjà fait la route 12 quand on avait pêché un Pokémon qui était un Arbok, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Oui, je crois bien que c'est ça. Donc, faut aller dans l'herbe qui est ici. Alors, juste deux secondes. Ça, je m'en fiche, en fait. On a vu beaucoup de Pokémon, quand même. On en a attrapé combien? 21. Pas mal. Ça devrait passer. Alors là, il y en a un, là, il y en a un. Donc, là, oh, il y en a trop, là. Ils sont trop, nombreux. Ils sont des millions! J'ai trouvé du carbone dans une grotte en faisant de la spéléo. Trois Pokémon, Brouabam. Niveau 28, ouais. C'est bizarre que l'autre, il était niveau 24. Je ne l'explique pas. Céleste. Super efficace. Étincelle. Ça devient un peu dangereux. Ça devient un peu dangereux. Mais il recommence, il est sérieux? Deux surchauffes de suite, mais c'est... Bah oui, à la fin, c'est inutile. Qu'est-ce qu'on fait? Balayage, allez hop. Ah, tu dois être bien lourd en plus, alors... Je te raconte pas. Cap humain. J'ai juste tenté le cap humain. Oh putain. La vendetta, elle doit faire mal, là. Putain. Je suis tellement deg. Ok. La vendetta, c'est censé renvoyer le... C'est pas le double? C'est dans les autres versions, je sais pas. 282, ouais, bon, il faut juste un Pokémon sauvage. Et on est bien. Balignon. Je t'envoie... Allez, Dralède, parce que là, ça devient un peu risqué. Ah oui, paralysé. D'accord. Pas de soucis. Pas de sushi, on fait tir debout. Respire le chat.
Oh putain, ça passe. Bon, on en refait un et c'est bon. Je viens de voir sur la cam que je suis toujours sombre ici. C'est parce que l'éclairage ne marche toujours pas, hein. Ils ont pas encore voulu me le changer. J'espère qu'ils le feront bientôt, parce que... Bon, c'est pas trop gênant, puisqu'on voit bien, ici, là, là. Ok, c'est bon. Bon. Alors, attendez, on va attendre qu'il dégage l'autre. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On sait le Pokémon sauvage maintenant? Allez, pour la fin. On va juste faire un truc d'abord, c'est... Bon, je rachète des trucs aussi, non, vous en faites pas, j'y pense. Super potions, elles sont où? Elles sont là. Tous les coups, je devais... Ouais, voilà, pour toi déjà. Et puis, bah, pour les autres, c'est pas tellement utile. Bon, on va le faire quand même. Pour assurer les arrières. Donc, complexe, tu repasses devant. Un craque noir. Bon, ça aurait été sympa, un petit craque noir. Torgnol. Oh, mais il est à chier! Bon, ça va, la torgnole est pas trop dangereuse encore. Oh putain. Ouais. Merci. Allez, évolue, fais-nous plaisir. Fais-nous rêver, bébé. Pouvoir antique, oui. Oui, je veux. Oui, je veux pouvoir antique. Je veux. Amnésie. On pourra toujours augmenter notre attaque, c'est pas mal. Toujours bien. Attention, le moment de vérité. Pam, 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 pam. Ça se trouve, je me fais pisser dessus, je vais juste avoir un ninjask. Hein. Bon, déjà, il y a un ninjask. C'est déjà bien, on a un genie, on a un ninjask. Oui, bon, je le fais mal. Il y a une tondeuse. Clonage. Un clonage, c'est pas dégueu. Ouais, clonage, c'est pas dégueu. On dirait un vibreur tondeuse. Tu sais pas trop ce que c'est, tu sais. Affûtage, et il apprend clonage. Pas mal. Attention, moment de vérité. Et... Oui, on a un Munja. C'est ça qu'on veut, on a un Munja. Oh, il est beau, putain! Il est pas shiny? Il est vraiment cette couleur-là, Munja? Non, il est shiny, là. Non, il y aurait une étoile. Non, non, il est pas shiny. Bon, bah... on... Quoi? Un PV? Reçois seul. Garde mystique! Oh, putain! Il a... Il a... Un PV, mais c'est une blague! D'accord, il a garde mystique. C'est pas son talent d'origine, ça? Ou alors, je sais pas... Oh, c'est bizarre. Bon, bah... On a deux Pokémon, mais je crois qu'il y en a un qui va vite dégager, je crois. Bon, au pire, on aura toujours l'autre pour le remplacer. Mais... Garde mystique reçoit seulement les coups super efficaces. Donc ça veut dire la plupart des coups il passe pas quoi. Après faut le savoir. C'est plutôt risqué. Mais j'aime assez. Pouf. C'est n'importe quoi. On a deux Pokémon pour le prix. ce vol. Ouais. Bon bah écoutez les amis, c'est sur cette magnifique évolution qu'on va terminer cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce vert pour le Munja.
Et un petit commentaire aussi, si jamais vous avez des choses à dire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et moi je vous laisse et je vous retrouve pour l'épisode 28 de notre Let's Play sur le jeu Pokémon Rouge Feu en Nuzlocke Random Challenge. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao!